Et c'est le moment d'accueillir Jérôme Commandeur. Ah, wow. Alors, cher Olivier Royan et Mireille Darc, Jérôme, chaque jour nous présente un personnage. Ce matin, c'est une jeune femme qui est venue souvent, ancienne hôtesse d'accueil à Europe 1. Elle travaille désormais à Paris Match. C'est Virginie Choupard. Ah, chouette. Bonjour Virginie, heureux de vous revoir. Bonjour Michel et bonjour le public. Oui. vous ne saluez pas nos invités Mireille et Olivier Royan? Oh si, pardon. Oh là là, c'est Mireille Darc. Je suis un maître de Mireille Darc. Quelle émotion. Oh, j'ai les genoux en sucre. Oh là là. Elle est encore plus belle qu'au musée Grévin. Mais elle n'y est pas au musée Grévin, non? Oui, bah, c'est pour ça que j'ai dit ça, parce qu'elle n'y est pas, donc elle est forcément plus belle ici, Michel. Faut arrêter la juvamine, hein, ça. Vous avez les fils qui se touchent. Hein. Non, je vous aime beaucoup, Madame Darc, vous êtes une grande dame, très classe, très distinguée. Je vous ai revue il y a quelques jours dans un film, c'était beau, c'était assez osé. Vous étiez assise avec des gens en ligne, vous bougiez pas, vous regardiez fixement devant vous, c'était un peu monotone, c'était hyper beau. C'était pas un film, Virginie, c'est l'élection de Miss France. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça, oui. Et à côté, c'est qui comme comédien? Non, c'est pas un comédien, c'est Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match. Ah oui, d'accord, je suis désolée, je vous connais pas, en même temps, j'ai tellement de films à rattraper que... Alors, vous êtes hôtesse d'accueil et standardiste à Paris Match. Oui, Olivier, oui. Olivier est votre patron, je vous signale. Alors, comment ça se passe, votre quotidien à l'accueil du journal? Bah attendez, quittez pas, je vais vous montrer. Oui, Paris Match, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous voulez récupérer un Paris Match que vous trouvez plus en kiosque? Pas de problème, c'était avec qui en couverture? Caroline de Monaco? Ah, ça va pas être simple madame, hein. Elle est en couverture une semaine sur deux. C'est comme si vous me disiez que c'était un Paris Match avec des pages, hein. Ça nous avance pas bien. Un indice, elle souriait. Alors attendez, je regarde sur la liste des couvertures de Paris Match de Caroline de Monaco qui sourit. Alors, j'ai Caroline de Monaco heureuse, non. Enfin heureuse, non. Épanouie, non. Radieuse, comblée par le cheval. Au Gucci Master, oui c'est ça, voilà. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas dans les couvertures de novembre. Eh bien écoutez, on va regarder celle d'octobre. Ah, elle a raccroché. Oui, Paris Match, bonjour. Oui, bonjour Madame Dati, c'est votre copine Rachida, Michel. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Épilation, maillot et sel le mardi 18. Ah, vous êtes trompé de numéro là, vous êtes à Paris Match. Vous avez composé le numéro de Paris Manucure, Rachida. C'est la ligne du dessous sur votre répertoire, c'est pas grave. Vous voulez rajouter un truc, je vous en prie? Vous serez Jardin du Luxembourg dimanche à 15h près du kiosque à hot dog avec votre fille. Ok, comme d'hab. Profil droit pour Rachida dimanche, les gars. C'est transmis, Madame Dati. Bisous, papa. Non, c'est pour rire, c'est pour rire. Pareil. On va peut-être vous laisser, Virginie. Paris Match, bonjour. J'ai un boulot ce matin. Non, non, vous me dérangez pas, Michel. Hein, vous pouvez rester. Oh. Ah zut, attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il y a la touche haut-parleur qui s'est enclenchée. J'arrive pas à l'enlever. Bon, bah, c'est pas. Oui, Paris Match, bonjour. Oui, hello. C'est toi, Virginie? Oui, c'est un type qui me poursuit. Il appelle tout le temps, je crois que je vais appeler les flics. Hein. Oui, je suis là, Alain. T'es belle, ma Virginie. Oui. Je pense à toi, matin et soir. J'ai envie de te casser en deux, comme un bout de bois. Oui, c'est... Je vais te faire gueuler, moi, l'hôtesse d'accueil. Non, alors. Tu m'as vu, samedi soir, j'étais parrain des Miss France. Oui. J'avais l'écharpe qui puait du Hazzaro. Oui, j'ai... Mireille Darc, à côté de moi, a failli tomber dans les pommes. Oui. J'ai vu les plus belles filles de France, ma Virginie, ce soir-là, mais je n'ai pensé qu'à toi. Ma beauté, mon tabouret, ma bouteille de Perrier, je vais te péter les... Voilà, voilà, ça y est, j'ai réussi à enlever la touche au parleur, voilà, voilà, voilà. Bon, ben je vous laisse, Michel, j'ai du boulot et une main courante à déposer chez les flics. Bisous. C'était Jérôme Commandeur. Merci Jérôme, et bon week-end, et à lundi. On retrouve Olivier Royan et Mireille Darc, nous parlons, et c'est bien pour Noël, de ce livre sublime, 1001 couvertures, de 1949 à nos jours. Si vous êtes des fans de Paris Match, et même si vous n'êtes pas d'accord avec Paris Match, ce livre est à consulter absolument. C'est historique, bien sûr, oui. Il est très très bien. Je signale quand même qu'on peut revoir la chronique de Jérôme Commandeur sur Europe 1.fr. À tout de suite.